Alors, il y a trois actualités, je pense, importantes que j'ai sélectionnées pour votre newsletter HAS. La première qui va être la relation qu'on veut avoir avec les institutionnels, les demandes des politiques de raccourcir la durée d'hospitalisation. Et là, c'est clair que dans la suite des états généraux de l'anesthésie-réanimation qu'on avait fait en 2010, où on avait pointé du doigt la médecine périopératoire, où on souhaite vraiment qu'il y ait une action forte, donc on va dans ce sens-là travailler avec la DGOS, avec la Caisse d'assurance maladie, les projets Prado qu'ils ont mis en place pour raccourcir également la durée d'hospitalisation. On va également faire l'année prochaine, dans le thème de notre journée monothématique du printemps, la réhabilitation rapide après chirurgie. Donc vraiment, on va essayer d'emmener tous les anesthésistes réanimateurs dans ce projet important pour la santé des patients chirurgicaux. Le deuxième point d'actualité important, c'est le DPC, développement professionnel continu. Avec l'aide de l'ODPC de notre spécialité, l'ODPC CEFAR, donc du Collège français des anesthésistes réanimateurs, on va avoir dans 3 semaines au congrès de l'ASFAR 2014 des sessions DPC délocalisées de l'état où il y a l'exposition industrielle. Donc on a vraiment fait des programmes DPC indépendants comme c'est recommandé par les demandes des politiques. La troisième grande actualité, ça va être la transformation de notre revue Les Annales françaises d'anesthésie et réanimation qui vont devenir en partie en anglais à partir de 2015 avec une revue plutôt qui va plutôt être sur des revues générales, la diffusion de nos référentiels qui restera en français, qui s'appellera Anesthésie et réanimation, et la revue anglaise qui sera indexée avec l'impact facteur international, qui sera une revue destinée à des articles originaux et dont le nouveau titre sera Anesthesia, Critical Care and Pain Medicine.